Bonjour à tous, c'est Stan sur Resident Evil 4 sur PC avec un mode amateur qui améliore les textures. T'en vas pas toi. Elle est partie trop tard. Alors c'est pas le jour et la nuit, mais c'est un peu plus joli. Et comme j'aime bien les jeux modés, bien j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Alors on connaît bien Resident Evil 4, hein, je ne vais pas en faire un test ou quoi ou qu'est-ce ou on s'en moque, mais je voulais voilà montrer Resident Evil 4 avec des textures améliorées par des amateurs, un mode amateur qui améliore les graphismes du jeu. Donc là on a une petite cutscene si je me souviens bien, exact. Alors au début de la vidéo, je vous montrerai les images avant et après que j'ai chopé Sir. Sur le net, là où j'ai chopé le mode. Au début de la vidéo, je vous montrerai quelques screens avant et après. On voit bien la différence tout de même. Là je la vois, enfin je me souviens plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Resident Evil 4, mais ça me semble en effet plus joli. Ouais c'est bien, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. J'ai pas d'ATH, j'ai remarqué, j'ai testé un petit peu juste avant, j'ai pas d'ATH. Ou de HUD si vous préférez. I said freeze. Eh ben... Tu vas pas faire ça toi. Ah c'est mauvais pour toi. Et voilà, les lâches qui s'en vont, on est tous au courant. Du moins ceux qui ont fait le jeu. Ah oui, là au niveau du visage ça me semble vraiment plus fin, plus joli. Shit. Oh c'est pas vulgaire comme ça. Ah oui, là oui, là j'ai vu. On voit bien que le visage. Ah oui c'est pas. There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Moi je m'en fous de leur blabla. Je veux montrer le mode, donc je veux montrer les graphismes. Je m'en moque de l'histoire, je la connais. Et si vous voulez voir un vidéo test, eh bien il y en a beaucoup sur le net. Cette vidéo n'est pas faite en ce sens. Là j'ai un peu de mal à mettre 360. Alors qu'avec une manette classique quand j'y jouais, quand il est sorti, j'avais plus de facilité. Trop de boutons sur la manette 360, du moins pour ce jeu. Et puis en plus il s'affiche pas. Vous voyez il me marque 3 alors que je dois appuyer sur X. Alors que je me cours pas, que je me cours pas. Parce que le joystick droit ne sert pas du tout. Y'a que le joystick gauche qui sert. Ça prend ça. Toi prends ça. Toi prends ça. Lui il est pas mort je pense. Si. Alors on peut enlever les TH, on peut choisir aussi, vous voyez. Mon laser est plus transparent. Ça c'est des réglages qu'on peut faire grâce au mode. Et l'ATH n'apparaît pas. C'est juste, voilà, je vais pas me refaire le jeu. J'ai vu le mode disponible, donc j'ai installé le jeu. J'avais envie de montrer ça, voilà. Car j'aime bien les jeux modés. Toi, alors c'est pas le plus beau jeu. Enfin, disons, si on prend Skyrim modé, évidemment, c'est bien plus joli. Mais le jeu est bien ancien et c'est pas dégueu ce qu'ils ont fait, je trouve. Bon, moi qui l'ai déjà fait, ça va pas m'intéresser de le refaire, mais... Mais bon, ça a le mérite d'avoir été fait, et c'est sympathique. À la limite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais enfin, bon... Qui ne l'a pas fait, enfin... Qui est intéressé par ce jeu et ne l'aurait pas fait? Je me demande... est-ce que je peux Non, je peux pas désactiver le... Je crois pas. Le piège, peut-être en tirant dessus, je me souviens plus... Ah oui, si je peux, d'accord. Il est désactivé là? Ouais. Donc il y en a un autre là, j'ai vu. Mais je vais pas gaspiller munitions. Ça ne sert à rien. Je vais faire péter ça. Peut-être qu'il faudrait que je m'éloigne, ce serait mieux. Voilà. Un forastero!
Ouais, je suis au courant. Tiens, dans ta tête, voilà. On a un truc à ramasser ou pas là? Non. Alors avançons. Ah, il y en a un par là, non? Oui. Je peux pas straffer. Joystick ne sert à rien. Joystick droit sert juste à, vous voyez, tourner un peu la caméra, c'est... Ah tiens, le pistolet. Je crois pas qu'il était comme ça, hein, avant le mode. J'en ai entendu, mais je crois qu'ils sont pas là pour les... Ah si. Hop, 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 ils sont là. Oh, oh, évite pas toutes mes balles, toi, je vais plus en avoir. Couteau, 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 couteau. Je me barre. J'ai pas la TH en plus, donc je sais jamais où j'en suis au niveau des... De l'énergie. Comment je recharge? Je ne sais plus. Non, pas comme ça. Comment je quitte? Je ne sais plus. Non, pas comme ça. Bon, ben, comme ça. Au final, j'ai quitté. Hop, 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 hop. J'ai encore envie des deux. Tu veux bien mourir, toi? Que je puisse aller me servir de la cabane, il y a des trucs. C'est bon, il est dead. Hop, comme ça, ça doit être bon, voilà. Ben, y'a rien là-dedans, je vais prendre quand même l'arme verte. Et oh, eh bien... Ah, à moi de viser. Correctement. Non, c'est pas le bouton pour courir, c'est celui-ci. Ah, y avait un truc, attendez. Peut-être juste regarder, ou peut-être y avait un truc à ramasser, je ne sais plus. Examiner, bon. Égalité des sexes sans lettre de mise ici. Simple de mise ici. Il faut que je la trouve vite. Oui, la fille du président. Ben, c'est pas gagné parce que je suis au début du jeu. Et j'ai pas l'intention de finir, je voulais juste montrer ça. Bref, je ramasse aussi les munitions. Oui, je suis pas contre. Je suis pas contre recharger non plus parce que si je dois recharger, mon chargeur est vide. Et qu'il y a des ennemis en face de moi, ça ne va pas m'aider. Ou trois là-haut, j'arrive. Il y a une cabane et un ennemi, je crois, d'ailleurs, dedans. On peut faire demi-tour. Ah oui, on peut faire demi-tour, je me souvenais plus. Comme les précédents Resident Evil. C'est le bouton pour courir. Et en même temps, j'appuie vers l'arrière. Voilà, exact. Parfait. Je vais ramasser ce qu'il a. Demi-tour. On va essayer d'avancer pour en voir un peu plus. Je vais quand même ramasser un minimum de munitions, de ne pas me retrouver avec rien du tout. Voilà, ça ira plus vite. Hop. Et hop, y'a rien pour moi là, s'il y a ça. Et hop, voilà. On avance un peu. Je pense que je vais faire la petite séquence au village où il y a un peu de monde pour voir ce que ça donne. Et j'arrêterai là, je vais pas faire... Je vais pas faire une heure ou une demi-heure sur un jeu modé, je voulais juste montrer. Leon, how you holding up? Bad question. Je m'en moque. Le jeu est déjà fini. Je l'ai déjà fini. Et il y a bien longtemps. Donc regardez, hop. Ah oui, c'est plus fin, on le voit. Hein. Je le vois, je m'en rends compte. Bon, ça, ça sert à rien. Mierda. Mais je le fais quand même. Hop. Je quitte, je vais aller par derrière. Je vais prendre le couteau pour lui couper la tête à elle, si elle m'a pas vu. Oh, mais ça y est, elle m'a vu. Elle m'a vu et moi j'appuie pas sur les bons boutons. T'es morte. Vite avant que je crève, que j'utilise un peu d'énergie, car je n'ai pas la TH et je vois que mon personnage est blessé. Comment je l'utilise? Je ne sais plus. Et surtout qu'ils me disent les chiffres. 1, 2, 3, et moi j'utilise pas des chiffres, j'utilise une manette. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà. Je quitte. Je cours, est-ce que je le vois lui sur la maison là-haut, sur le toit de la maison. Hop, demi-tour. Ah, mais il y a encore elle. C'est pas la même, mais...
Mais elle me fait pas du bien. Ouh. Léon a regardé. Ah voilà, il a regardé là-haut. C'est pas pour rien. J'appuie sur joystick droit pour viser. Mais non, c'est joystick gauche. Hop, hop, demi-tour. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, il fallait que je recharge avant ça. Ah là je me rends compte qu'au niveau des. Les PNJ leur ils sont mieux foutus. Ils sont plus détaillés, ils sont plus jolis. Ouais. Là je m'en suis rendu compte là à l'instant. Vite, 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 vite. Tiens dans sa tête. Un petit coup de pied si je peux. Oui. L'autre il lui manque sa tête ou quoi? Ah ben faut croire, il est mort. Bon, finissez de pas mourir là. Oh pas. Eh ben il m'a esquivé lui l'enfoiré. Ouh, il y a des mondes carrés. Ouais. Plutôt m'en aller. Je vais faire quoi? Tiens, il y a un truc là. Ah oui, un œuf. Ben tiens, je vais le ramasser. Parce que je crois que c'est de l'énergie l'œuf. Et je vais en avoir besoin. Pas mal de trucs à ramasser ici, mais je vais pas tout ramasser. Je vais. L'œuf. Je crois que c'est l'énergie. On va voir si je. Si je suis toujours blessé. Ouais, non, ça a l'air d'aller mieux. J'ai envie de monter là-haut. C'est là-haut, c'est là-haut. Non, c'est là-haut. On peut monter. Ouais. Pour avoir un beau point de vue sur le village. Toi, tu attends que je te tire sur la tête. Voilà, ça c'est sans doute un frustré. Eh bien, je ne suis pas dessus. Bien. C'est pas vrai ça. Oh bon sang, je vais me faire crever parce qu'il y en a un qui est en train de me. Bon allez, je descends avant de mourir. Et je remets d'énergie. Vite, 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 vite. J'ai plus de munitions. Merde. Bon ben je vais rentrer dans la maison. Au plus vite. Non, me suivez pas. Il y a du monde là. Vite, 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 voilà. No dejes que se escape. Vayan por detrás. Who are these people? Bloquea el paso. What are they planning? Echo. Chainsaw. Oh, est-ce que j'ai réussi à me débrouiller là avec la manette avec laquelle je suis pas habitué à jouer à ce jeu? Son of. On va essayer. Est-ce que la porte a été bloquée? Oui. Donc, comme je dis. Ah oui, mais j'ai plus de munitions, alors j'ai intérêt à me bouger. Oh, non, pas. Ah, je peux les casser, oui. Oh là là là, c'est tellement longtemps. Et de l'or, je m'en fiche là, je compte pas finir le jeu, je veux pas de l'or, je veux. Des munitions, bien sûr. Et une arme aussi. Oula, y'a l'autre qui a. Avec la tronçonneuse. Il est sur moi, il me coupe la tête. Je l'entendais. Zut. Où vais-je recommencer? Au village sans doute. Allez quand tu veux. Allez bon je trace, je vais dans la maison, je vais essayer de faire mieux. Non je m'en moque. Je suis là, coucou les amis. Mierda. Detrás de ti, imbécile. Hop, je coupe ça. Ah,
Hop, je passe par là, comme ça, ils savent pas quoi faire. Ah bah oui, bravo. Ouh, il y a le mec avec la tronçonneuse par là. Alors moi, je me barre. Je vais tirer là-dessus. Pourquoi il y a de l'énergie, non. Mais il y a une arme jaune, je prends. Il y a une arme rouge, je prends. Il faudrait peut-être que je monte là-haut récupérer le fusil. On l'a vu tout à l'heure. Que l'autre est sans tronçonneuse, je l'entends. Bon, peut-être là-haut, en plus, je ne prends pas. Est-ce que je peux refermer la porte désormais? Non. Ah non, non, non. Et l'en défoncer sans doute. La tête encore, je sens trop ça. Hop, le fusil. Je m'en équipe. C'est pas le bon bouton. Je vise comme ceci. Il est où l'autre avec la tronçonneuse? Ah là 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 là. Ah, il est là, c'est bon. Je crois qu'il y en a qu'un, donc s'il est en bas, je vais pouvoir me le faire. Les autres peuvent me blesser, mais bon, je vais pas me couper la tête. Lui peut. C'est bon, t'es mort. Peu de munitions pour le pistolet, je fais tomber ceci. Je regarde derrière moi quand même s'il n'y a pas. Bon, tout ça, on ne le tuera pas. Vite, le pistolet. Avec deux munitions, bravo. Je vais m'équiper plutôt de la grenade. Et donc, je la jette comme ceci. Hop. Voilà, prenez ça. Je reprends mon pistolet. Alors, je me suis trompé. Recharger, mais non, mais il faudrait que j'ai les munitions aussi. Si je peux le recharger, c'est juste moi qui sais pas comment je recharge. Bon, je n'aurais pas eu l'occasion, c'est pas grave. Ah, voilà. Oula, il y a le mec avec la tronçonneuse derrière moi. Non, me coupe pas la tête. Oh là là, il y a du monde là! Je sais où je vais aller, je vais. Voilà, je vais monter là et je vais faire tomber l'échelle. Allez, 3! Monte! Voilà, essayez pas de me bouger par ailleurs, hein! En passant ailleurs. Je l'entends toujours, la tronçonneuse, hein! Tiens, il est là! Ça y est, t'es mort. Non, j'entends la tronçonneuse qui tourne toujours, donc il est en haut. Oh, mais c'est pas vrai, j'étais à côté, si j'étais à la souris. Mais avec ce mode, il y a un problème, je n'arrive pas à utiliser la souris. On peut rien faire quand on veut à la souris. Tiens, j'aurais bien fait. Bah, la manette est très bonne, ce jeu. Non, je voulais descendre. Oulala, j'ai esquivé de peu. J'ai plus de munitions, il me semble. Génial. Je vais essayer d'en trouver. C'est pas une cabane où je peux entrer là? Je crois pas. Si, là peut-être, ouais, mais il y a des mondes. Ah, c'est un peu raide le gameplay, je trouve, mais ça. Je prends une munition par là. Je vais pas les faire non plus au couteau. Hein. Ils sont des nombreux. Dans ces cabanes peut-être, mais si je m'y enferme, je risque d'être. Non, de l'argent, j'en veux pas de l'argent. Ben, si j'en veux, mais pas dans le jeu. Hop. Vite. Y a rien par ici, Ah, je suis gâté. Tiens. Là, y a des munitions, il me semble. Oui. Je prends. Voilà, amenez-vous. J'essaie de viser la tête. Voilà, parce qu'il y a du monde. Si je pouvais m'en défaire d'une fois, d'un coup. Vite. Voilà. Ça en est plusieurs au sol, c'est pas mal ça. Toi, dans la tête. Et je te cogne. Toi. Où je peux et je te cogne.
Eh bien, ah ben voilà, j'ai plus de munitions, génial. Et je dois plus avoir d'énergie sur moi. Mais ils ont peut-être lâché des munitions, les bonhommes. Et là, est-ce que je les ai prises vu que je suis mort entre temps? Non, je les ai pas prises, celles qu'elles là. Ben voilà. Vite, 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 vite. Ouais, on voit un peu en tournant la caméra. Si, ouais, je vois quand même que c'est un peu plus joli. Hop, vite, vite, vite. Explosion de tête. Voilà, elle m'a raté avec son couteau. Et une autre explosion de tête. Bon, il est dead, lui. Je sais pas, oui. Ouh, il reste elle. Et je peux pas rien faire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Examiner, je m'en moque d'examiner quoi que ce soit. Je suis mal barré, là. Bon, ben, couteau. Et coup de pied, voilà, couteau et coup de pied. Je crois qu'il y a que comme ça que j'arriverai à faire quelque chose. Ah, il y a des munitions là-bas. Vite, 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 vite. Oui, je prends. Est-ce que de l'énergie? Je n'ai pas de trou alors. Je vais les laisser s'approcher. Même s'il me cogne rien qu'un peu, il pourrait me tuer. Non, j'ai cru que. Ah non, 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 non. J'ai cru qu'il était assommé, que je pouvais lui filer un coup de pied. Mais pas du tout. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Puedes correr, pero no puedes. Meurs, 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 voilà. Il était temps. Et je crois même que les cinématiques sont retouchées. Oui. À ce que j'ai lu, il a fallu installer un pack de codec par rapport justement aux cinématiques. Si je me souviens bien, si j'ai bien lu, mais je crois bien. Where's everyone going? Bingo? Et voilà, et bien, donc en fait, c'était le début de Resident Evil 4. Et je vais sans doute m'arrêter là. Hunnigan, I have some bad news. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus joli? Bon, allez, je vais avancer un peu pour voir ce qu'il y a d'autre. Voir un peu la suite, mais un peu. Je vais pas torcher le jeu, je l'ai déjà fait une fois et demie, on va dire. Je l'ai fini une fois, puis j'ai rejoué pas chez moi parce qu'il y avait que ça. Alors j'y avais rejoué un peu, mais j'avais pas refini. Bref, je vais pas torcher le jeu, c'est sûr. J'ai juste envie de voir un peu ce qu'il en est de ces améliorations graphiques. Hop, hop, hop. Proposé par les amateurs. Ah zut, plus de munitions. Bon, et si j'arrêtais de me tromper de munitions de bouton, ce serait bien aussi. Débrouille, mental. Toi, le paysan, t'aurais pas dû t'approcher, je vais tuer ta vache. Mais. Oui, il m'a. Et il m'a tué, je crois. Donc ça s'arrêtera là, c'est pas grave, je voulais pas en montrer plus. Ça suffira pour ce jeu-là modé. Donc je vous dis bye bye. Et à la prochaine, je continue pas. Ciao.